Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui m'a été suggérée par une de mes abonnées dans les commentaires la semaine dernière et j'ai trouvé que c'était une super idée, alors la voici. Vous l'avez certainement vu en cliquant sur la miniature, il va s'agir de 10 choses que j'aime aux États-Unis et 10 choses que je n'aime pas aux États-Unis. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, moi c'est Aurore et je suis une expatriée française à Miami depuis décembre 2016. Je vous parle ici toujours d'administration, de finances, d'expatriation, enfin de tout ce qui a un lien en fait avec les États-Unis. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sans plus attendre, je vais pas faire une introduction de 3 km de long. On va tout de suite passer aux 10 choses que j'aime aux États-Unis. Autant parler du positif d'abord. Première chose positive aux États-Unis n'est autre que la diversité des paysages. Alors, je suis loin d'avoir voyagé dans tous les états des États-Unis, mais on a déjà vu pas mal de la Floride, on a déjà fait l'ouest des États-Unis. 4 états en particulier, l'Utah, l'Arizona, le Nevada et la Californie, pendant un road trip avant même en fait de vivre aux États-Unis. Et on a été déjà à New York 2 fois depuis qu'on vit ici. On a encore plein de choses qu'on veut voir, mais en même temps je vais vous faire défiler quelques images pour vous montrer que, voilà, quelques parcs nationaux, quelques merveilles naturelles qu'on a eu la chance de voir aux États-Unis. Un petit mix de tout ça, qui sont donc, quand il s'agit de l'ouest, des états qui sont quand même assez proches les uns des autres. Et parfois tu passes d'une ambiance super désertique à quelque chose de bien plus nature, verdure, forêt, enfin c'est dingue en fait la diversité de paysages aux États-Unis. Numéro 2, if you dream it, you can do it. Cette mentalité américaine qui consiste donc à dire que si tu le rêves, tu peux aussi le faire. Voilà, cet esprit super positif qu'ils ont au quotidien ici aux États-Unis et surtout, voilà, une sorte de motivation extrême, cet optimisme particulier qu'ils ont, qui les poussent à innover et à essayer de vivre le rêve plutôt que de rêver leur vie, si vous voyez de quoi je parle. Numéro 3 dans les choses positives, on ne fait pas la bise. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, la bise, je la trouve trop généralisée, trop étiquette en France. Je trouve qu'il n'y a même plus vraiment de sens derrière ça. On le fait pour être respectueux, mais j'ai l'impression qu'en fait, ça embête un petit peu tout le monde. Dites-moi ce que vous en pensez. Aux États-Unis, quand on arrive au travail, peu importe où on arrive, une fête où il y a beaucoup de monde et où on n'a pas envie forcément de passer, vous savez, avec tout le monde. Aux États-Unis, à la place, on a le Hi everyone, hi guys. C'est moins prenant, c'est plus rapide. Et pour les gens que tu apprécies vraiment, pour les gens avec qui tu as une affinité particulière, c'est pas une obligation tous les jours, mais on a le hug à la place de la bise. Alors le hug, je vais essayer de vous trouver une petite image et vous mettre ça en même temps. C'est le câlin à la place du bisou, que je trouve personnellement beaucoup plus agréable et c'est pas autant généralisé, c'est simplement un geste d'affection qu'on peut faire si on le souhaite, mais on ne voit pas ça comme une sorte de pression sociale. Numéro 4, les pancartes qui montrent pour qui ils votent dans leur jardin. Voilà, les Américains ne cachent pas leur choix politique, il y a la petite pancarte dans le jardin qui montre clairement pour qui ils sont, pour qui ils votent. Et je trouve ça assez drôle, le non-tabou politique comme ça. Pour le coup, ils vont pas forcément chercher le débat politique, mais ils montrent leurs idées, bah, sans tabou en fait, tout simplement, juste pour le côté drôle, parce qu'en France, on ne ferait jamais, jamais ça. Numéro 5, les routes. Alors, ça me stresse quand même de conduire aux États-Unis, mais beaucoup moins qu'en France. Ici, on a des routes super larges, sans compter le parking. Peu importe où je vais, je sais que j'aurai une place pour me garer, et ça, c'est... super rassurant pour moi parce que il faut savoir que moi, pour me garer, j'ai besoin de 3 places vides côte à côte et je dois me garer en marche avant seulement sur la place du milieu. Alors voilà, en France, avoir 3 places vides comme ça, côte à côte, c'était pas quelque chose qui arrivait souvent et si on parle de créneaux, alors là, oh mon dieu. Bah ici, c'est quelque chose, t'en as jamais besoin, donc ça me rassure beaucoup. Numéro 6, les pancakes le matin. J'adore cuisiner des pancakes. Non, j'aime pas le fait de les cuisiner, voilà, mais j'adore le fait de manger des pancakes le matin. C'est quelque chose à quoi je me suis fait super vite. Ça rend le petit déjeuner encore plus sympathique. Numéro 7, puisqu'on parlait de pancakes et de nourriture, et ben les donuts. J'adore les donuts. C'est trop de bonheur de voir tout ça donc.
J'aimais pas forcément ça en France, et ici, c'est mon Graal, c'est mon rêve, c'est ma pâtisserie déesse. Je ne sais pas comment expliquer, j'adore les donuts, il y a tellement de choix, tellement de possibilités, tellement de magasins différents qui vendent des donuts, que j'ai l'impression qu'en fait je ferai jamais le tour d'essayer toutes les saveurs et toutes les possibilités qui sont possibles ici concernant les donuts, vous savez. Il y a longtemps que j'avais pas eu les papilles gustatives autant contentes. Voilà, mon rêve, les donuts, mon dieu. Les parcs d'attractions, j'ai toujours été fan des parcs d'attractions, Kevin aussi. On adore le fait en fait d'arriver dans un monde différent, où on a l'impression d'être un petit peu coupé du réel, la magie, les sensations fortes, tout ce que tu veux, mais le fait d'être un peu coupé du monde dans un univers particulier. Et aux États-Unis, si on prend en compte rien que la Floride, l'état dans lequel on vit, rien qu'en comptant Disney et Universal Studios, sachant qu'il y a d'autres parcs en Floride, ça fait déjà Disney, il y en a 6. 4 parcs, dont 2 aquatiques. Universal Studios, il y en a. Autant vous dire qu'en termes de parcs d'attractions aux États-Unis, moi, j'ai ma dose et j'adore ça. Numéro 9, les magasins ouverts tout le temps. Il n'y a pas à dire, c'est quand même un côté archi pratique, c'est-à-dire du lundi au dimanche, sans distinction. Comme vous le savez, on travaille tous quand même assez beaucoup aux États-Unis et c'est bien d'avoir le choix de quel jour y aller. Et aussi, donc, certains magasins sont ouverts 24 heures sur 24. Si t'as envie, tu peux aller en pyjama Mickey avec tes chaussons à 4 heures du matin faire tes courses, et ben c'est une possibilité. Voilà. Numéro 10, le travail, ou plutôt la facilité à trouver un travail et à obtenir des promotions, les opportunités aux États-Unis qui sont immenses. Ça, c'est un gros point positif auquel on est pas trop habitué en France, dites-moi si je me trompe, mais en tout cas, pour nous, les opportunités ont été plus faciles et plus obtenables aux États-Unis qu'en France. Ça vient avec un petit côté négatif, évidemment, on n'a jamais rien sans rien, les salariés sont moins protégés aux États-Unis, le droit du travail est moins favorable, et il est aussi plus facile donc de se faire virer. Et je vais ajouter un point bonus, parce que là je suis en train d'y penser, je suis obligée de mettre ça ici aussi. Culturellement, les gens sont super approchables aux États-Unis, super souriants, super ouverts, mais attention, ne pas s'y méprendre. C'est pas parce que quelqu'un se comporte comme ça avec toi que tout de suite, ça y est, t'as un ami. Ça peut faire bizarre au début. L'amitié, c'est comme partout, il faut du temps pour la construire. On va désormais passer aux 10 choses que je n'aime pas aux États-Unis. Et la première, je suis obligée de dire ça, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est le racisme. Alors non pas qu'il n'y ait pas de racisme ailleurs. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de pays qui sont touchés par le racisme. Aux États-Unis, la police est armée et quand il se passe des choses, ils vont plus vite. Imaginez le pire quand il s'agit de quelqu'un de couleur, contrairement à quelqu'un qui est blanc, et ça c'est pas normal. Et surtout aussi aux États-Unis, les parents donc qui sont de couleur noire doivent avoir le fameux talk avec leur enfant devenu adolescent, et ils sont obligés de lui dire en fait tout simplement que attention à ce que tu fais, parce qu'il y a certains comportements que tes amis blancs peuvent avoir, ça va pas leur porter préjudice, mais toi si tu fais la même chose tu peux avoir des problèmes, notamment avec les forces de l'ordre. Numéro 2, l'éducation. Je dis ça déjà dans plusieurs vidéos, c'est très très cher. Et si tu inscris tes enfants dans le public, c'est souvent des écoles qui ne sont pas toujours très bien réputées. Et si tu les mets dans le privé, c'est très 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 cher. Ça peut très vite coûter 15 000 l'année dès l'école maternelle. Numéro 3, la santé. C'est un truc qui revient souvent de la part de tous les expatriés. Mais alors attention. Moi je trouve que payer une assurance privée pour avoir accès à une couverture santé passe encore. C'est hors de prix, mais passe encore. Mais le truc, c'est que cette assurance santé ne te couvre pas entièrement. Il y a généralement quand même, quand tu vas chez un médecin ou un autre, une partie que tu dois payer de toi-même. Et tu as généralement aussi ce qu'on appelle une deductible, qui en fait induit que si, par exemple, tu dois te faire hospitaliser ou quelque chose comme ça, il y a un montant au-delà duquel l'assurance prendra en charge, mais tu vas quand même devoir payer quelques milliers, potentiellement, malgré le fait que tu sois couvert. 4. Les gelées. Alors si vous avez vu ma vidéo que j'ai faite il y a pas si longtemps avec Kevin, où on essaye des produits américains qui nous semblaient être pas forcément les meilleurs, vous avez vu qu'on a testé les fameuses gelées, et ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. Ah, ça fait gling 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 gling, mon dieu. Vas-y, 1, 2, 3. Voilà, je crois qu'il y en a pas mal en Angleterre aussi, des choses comme ça. Non, moi je ne comprends pas. Numéro 5, la surconsommation. La surconsommation est un problème mondial, et dans les pays développés
ou en voie de développement encore plus. On produit en masse et tout le monde consomme. Et voilà, les gens sont très motivés dans la vie par le fait d'acquérir toujours et toujours plus de choses. Et aux États-Unis, en fait, tu vois la surconsommation au quotidien et encore plus. C'est quand même les États-Unis qui ont développé Amazon, Costco, tous ces endroits où tu peux acheter en grosse quantité, où ils ont en fait des entrepôts remplis de plein de choses. Ce genre de choses. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la surconsommation est là et super visible. Et ça, ça fait un petit peu peur quand même, j'avoue. Numéro 6, les autoroutes. Alors j'ai dit que je préférais les routes et la conduite aux États-Unis, mais les autoroutes me font assez peur, surtout quand elles sont assez chargées, c'est-à-dire que ça va pas faire comme en France vers Paris où c'est complètement bouché, en tout cas sur Miami. Mais il y a beaucoup de monde, c'est assez saturé, mais ça roule quand même assez vite. Et vous savez que sur les autoroutes ici, il y a 5-6 voies, parfois un peu plus, et des fois t'es au milieu, il faut que tu sortes sur la gauche ou sur la droite, et c'est assez difficile. Moi j'ai du mal à m'engager, j'ai super peur en fait. Numéro 7, vivre dans une rapidité de l'extrême. Ce que je veux dire, c'est que le slow living ici, on connaît pas trop. Le truc à l'européenne, vous savez, sortir avec les amis tranquillement, marcher un petit peu à pied, s'arrêter sur une terrasse, prendre un verre, et le verre est déjà fini depuis longtemps, et on reste là quand même, on discute, on prend le temps de prendre le temps et tout ça. Aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de ça. J'ai l'impression que quelqu'un pousse les aiguilles de l'horloge pour que ça aille un petit peu plus vite. Par exemple, si tu vas au restaurant, dès que tu termines de manger, le serveur sera là quasiment dans la seconde pour te demander si c'était bon, si t'as fini, et puis voilà quoi. En fait, c'est assez quand même un peu plus expéditif, on vit un peu plus rapidement. Alors, on s'y fait, c'est pas le point archi négatif quand même, mais parfois, l'art du slow living me manque pas mal quand même. Numéro 8, le manque de transport en commun. Je suis pas une personne qui adore conduire plus que ça. Ici, je me sens obligée, bien sûr, puisque les transports en commun ne sont pas du tout adaptés. Il y en a un petit peu, il y a des villes plus ou moins desservies. New York, par exemple, est très bien desservie, mais globalement, aux États-Unis, si tu comptes sur les transports en commun, eh ben, t'iras pas très loin. Et ça, ça me manque un petit peu parce que parfois, j'aimais bien prendre des transports en commun quand même pour ne pas avoir cette charge mentale de conduite. Numéro 9, les 2 semaines de vacances par an. C'est très peu. On s'y fait aussi, mais j'avoue que ça fait mal quand on entend qu'en France certains d'entre vous ont 1 mois voire plus. Ah, c'est quelque chose qu'on ne connaîtra jamais malheureusement, mais voilà, 2 semaines de vacances par an, on s'y fait, mais c'est peu, et je vais donc ranger ça dans les points négatifs. Numéro 10, le fameux credit score. Alors attention, maintenant je le classerai presque dans les points positifs, mais pendant longtemps, surtout au début, je l'ai vu comme un point négatif, parce que déjà il a fallu comprendre tout ce système de petites jauges qui va du rouge mauvais credit score jusqu'au vert très 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 bon excellent credit score. Je comprenais pas tout, c'est ce fameux truc qu'on avait pas quand on est arrivé ici, puisque quand t'arrives aux États-Unis pour la première fois, il faut le monter toi-même. Et donc on a dû donner des cautions pour à peu près tout. On était vus comme des mauvais payeurs, puisque c'est le credit score qui compte en fait au-delà de ton salaire. C'est ce qui va dire en fait si tu es un bon ou un mauvais payeur. Donc quand tu n'as pas d'historique de crédit, c'est pas bon du tout. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est terminé maintenant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez des points positifs à ajouter pour les États-Unis ou au contraire des points négatifs à ajouter encore une fois pour les États-Unis. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Mon compte Instagram, c'est juste là. C'est Aurore à Miami. Voilà, pour pas faire trop différent de la chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et à vous abonner et à cliquer sur la cloche si ce n'est pas encore fait et que vous ne voulez pas rater les prochaines. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous. I need to take a picture, but my leg is atrophy. J'ai la jambe avec plein de fourmis, vous connaissez cette sensation ou pas?